Bonsoir. Nouveau jeu aujourd'hui. Warhammer, du coup. Warhammer 3. Sachant que, du coup, j'ai acheté les 3. Avec un... En achetant sur CD Case, du coup, c'était... J'ai déjà le 1 et le 2 offert par Epic il y a un moment. J'ai joué au 1 où j'ai fait juste une campagne... La campagne la plus facile où ils disaient c'était les nains qui étaient en facile, donc je l'ai fait en facile avec les nains. Très bien passé. Et du coup, c'est tout ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai voulu commencer le 2, et puis je savais que quand on a les 3, on a des bonus, on récupère les... tout le contenu du 1 et du 2. Et justement, on peut voir que du coup, au niveau des races que je peux faire, en fait, il y a 7 du 1 et du 2 que je récupère. C'est-à-dire que... Si je n'avais que le 3, je pense que je n'aurais pas accès aux nains, par exemple. J'aurais accès peut-être au dernier. Je sais pas comment c'est classé, mais en tout cas, j'aurais pas accès à autant de races. J'ai bien compris. Donc je me suis dit, bah vas-y, on va juste prendre le 3. J'ai quand même kiffé l'expérience. Vas-y. Je vois 23€ pour acheter le 3 sur Steam. Sachant que, vu que les autres, je les avais sur Epic, j'aurais rien récupéré sur Steam. Donc je dis, et puis je vois en même temps, sur la même page, la trilogie est au même prix, 23€. Bon bah j'ai pris la trilogie, donc j'ai désinstallé le 1 et le 2 d'Epic, j'ai installé le 1, 2, 3 sur Steam, et comme ça bah, j'ai tout sur Steam, j'ai toutes les races. Donc, le truc, on est en arrière. Et au niveau des campagnes, du coup on a le tutoriel, les royaumes du chaos qui sont du coup des missiles, les trucs liés aux 3, et ça c'est un peu le mode bac à sable, donc là ça va être un peu plus scénarisé avec des événements truc par étape. Et ça va être le monde, bah, comme quand on est lâché sur Crusader's King, le monde est... Il se débrouille tout seul, on est au milieu, et puis on choisit parmi... plus d'une centaine de départs. Le truc, c'est qu'également 1 et 2, ils ont des missions scénarisées comme ça, mais qui sont pas transférées dans le 3. Donc je pense que je vais faire le 3, juste le tutoriel, j'espère que ça va me tenir une soirée, j'espère que c'est un long tutoriel, enfin didacticiel, je sais pas comment on dit, prologue, voilà, prologue. Sachant que ça va être pour revoir les mécanismes et du coup ce qui peut avoir changé entre le 1 et le 3. Mais je pense qu'il n'y aura pas énormément de gros changements. Et je pense que du coup après je vais alterner entre 1, 2, 3 pour faire les campagnes. Peut-être faire sur celui-là, choisir en faire une grosse campagne. Un truc avec le monde. Parce que je n'ai fait que les nains, donc on testera d'autres choses. Voilà. Voilà, un peu, du coup, faudra pas s'étonner. Je vais passer, il y aura des soirées sur le 1, sur le 2, sur le 3. Mais majoritairement sur le 3, parce que dès qu'on fera les empires immortels, donc l'immense campagne bac à sable, ce sera forcément sur le 3. Je vois pas l'intérêt de faire sur les autres. Hein. Allez, donc, on va vivre l'aventure du prologue pour réapprendre les mécanismes que logiquement je connais, mais c'est vraiment au cas où il y a des nouveautés. Ça permet également de présenter la première fois le jeu également. Le truc que j'aime pas dans ce jeu, c'est que je vais cliquer sur mon deuxième écran, le son disparaît. Je déteste les jeux qui font ça. Déjà même sur Streamlabs, la capture, je suis obligé de passer en capture d'écran parce que capture du jeu ne marche pas. Kislev, our motherland is dying. A dark winter devours our fairer seasons. It has been custom for our god, Ursan, the great bear, to break each winter with his roar. Yet, for 7 long years, he has fallen into silence. And so the ice thickens. Our prayers go unanswered. The people suffer. The Queen has sent me to investigate, to lead an expedition in search of Ursan. I am to make contact with our northernmost outpost, Dervingar. It was there, on the edge of the Chaos Wastes, our god's voice was last heard. Let
Et coucou Chrome. Bah ouais, direct, t'as vu, ça y est. Tu m'as mis dedans là. Tu as réussi ton coup. Autant Crusaders, j'y suis allé tout seul, autant là quand même, il y a eu une petite pression qui m'a été mise. Comment est-ce? Extra rations for the wounded. Sir, this expedition has failed. We must turn south, head back to Kislev. But we've come so far. We push north, find Dervingard. It's madness. We cannot survive wandering the chaos wastes like beggars. Yuri, brother, we must not abandon our duty. The people of Kislev depend on us. You'll have my decision by dawn. Why? C'est quand que tu prends le jeu? C'est quand qu'on joue en coop? C'est quand que tu prends le jeu? Each day I pray, you do not answer. Par contre, comme je disais, les campagnes du 1 et du 2 ne sont... Enfin, les campagnes un peu scénarisées ne sont pas transférées dans le 3. Il faudra quand même que je joue au 1 ou 2 pour faire les campagnes scénarisées. Show me a sign! Answer me! Et que le gros mode bac à sable où les rats sont transférés. And Kislev is lost. Bah, j'ai jamais fait non plus, mais au moins comme ça, elle existe. Donc, bah oui. I answer in my time of need. Urson. I wake in darkness, bound in shadow. Guide me. I can save. Il est clairement le choix entre 100 points de départ sur le gros mode là. I will lead you to Dervingard. Your first step to finding me. Follow my voice. J'espère que le prologue il dure pas seulement 15 minutes hein. Move north. Ah ouais. Bah écoute, elles sont sympathiques. Et du coup, la première fois que j'y joue sur Steam. You have led your kin through the mountain pass. Et du coup, quand tu ouvres le launcher, du coup, lié à Steam, ça te met tous les Total War qui existent. Il y en a beaucoup, hein. Hiro, bah, j'étais prendre des news avant même le nouvel an. J'ai envoyé un petit message pour prendre des nouvelles. Je me disais, ouais, c'est vraiment quand t'as pas vu tout ça. Donc, tu sais, bah, en ce moment, il n'y a plus trop le temps de RP ou même de jouer aux jeux vidéo puisqu'il s'est casé. Et il m'a dit qu'il essaierait de passer un soir quand il verra qu'il y aura du monde en vocal. Regarde. Yuri, what are your orders? Push north. Find shelter. Attends, parce que du coup, là je passe sur le deuxième écran et là ça me pousse à gauche. Alors je peux pas. Mais attendez, les options. Alors comment on fait que la souris ne déplace pas la caméra? Surface de bataille, on ne fait pas là. Non. Je crois là. Il n'y a pas de truc ralenti. Hein. Là, j'ai pas le choix. Ça a bougé la souris à chaque fois, en fait. Bah ouais, je préfère bouger avec ZQSD. Parce que le truc, c'est. Quand je suis à gauche, ça bouge pas. Ça passe sur le deuxième écran. Mais quand à droite, ça bouge. Du coup, c'est bizarre d'avoir un côté oui, mais un côté non. Ah, je peux faire les deux, mais bon, c'était juste au cas où, justement, je veux cliquer sur un truc. Ça, il y a un truc en bas à droite, tu veux cliquer. Ah, merde, non. Ça, c'est chiant. Même sur Crusader's King, je l'ai enlevé. Mais je crois qu'on peut pas, hein. Affichage... Non, je peux en faire, normalement. Et où, hop. Fenestré. Hop. Cliquer les modifs. Bah c'est pareil, hein. Je peux passer, là ça me passe. Juste que j'évite, voilà, faut vraiment que je colle
Mais dès que je bouge sur l'autre écran... Par contre, ça fait la même chose dès que je clique. Attends, je vais cliquer sur le deuxième écran. Voilà, il n'y a plus de son. C'est bien ce que je craignais. Bon alors. Ah, vas-y. Va ici. Ça va, je connais. Bah écoute, je ne sais pas. Hein. Tu peux alt-tab et tu auras quand même du son. Ah bah merde, faudrait que je trouve une option alors parce que je sais que ça me fait ça sur plusieurs jeux. C'est rare, mais ça le fait. Et c'est peut-être une option générale, mais enfin, je sais pas comment ça pourrait être défini. Est-ce que ça pourrait être sur Steam? Non, je sais même pas. Bah, mais quel paramètre, c'est ça le truc. Volume. Parce que je sais qu'à l'époque sur Manzibar, il y en a qui se plaignaient d'avoir ça, d'avoir un truc comme ça, de perdre le son quand ils faisaient un alt-tab, mais c'était du coup dans les menus, son en arrière-plan. C'est ça? Bah non, là tu vois, je viens de cliquer ailleurs. Ah, faut peut-être que j'applique. Attends, on va appliquer. Ouais, c'est ça. T'as raison. T'as raison. Ouais, c'est bon. Ok, ben bah nickel. Yuri Barkov. Fin du tour. We should be cautious. Darkness covers this land. The influence of chaos. The further north we travel, the stronger it becomes. Ok. Ok, voyons. Ils appellent une mission. Oui, bah c'est comme sur plein de jeux. Voyager en direction du nord, trouver un abri, c'est tout ce que j'ai à faire. Ok. Je peux pas reculer la caméra avec la molette. Changer de hauteur, quoi. Je peux pas reculer plus que ça. Je vais au max là. Ok. Bon. Continuez à avancer vers le nord. We found supplies in the snow from Dervingard. Dervingard? How did they get here? Someone left in a hurry. Carried what they could. We thank Orson. They will be needed. Peut-être. Il ne faut pas que je vois trop. Concernant la chaise, vous avez accumulé, d'accord. Enlevez-moi ça, c'est chiant là. Je m'en fous. Déplacer, attends, déplacer avec les touches. Ouais, déplacer. Ah, il veut peut-être que je fasse ça justement pour montrer que c'est bon, j'ai compris. Enlevez-moi ce truc là. Casse-couille. The soldiers are ready. Give the order. We move north. Ils vont me le laisser pendant tout le tuto, je crois. Yuri! Up ahead! Some kind of shelter! Send word, Garrick. We rest there. C'est au cas où d'un tour à l'autre, tu oublies. Refuge de Kislev. We move north. Ça va, je suis riche. You have found respite. Together, we can overcome the trials ahead. The cold bites deep. The shelter is not enough. Build a camp. Then we can rest. Je laisse pas le temps de parler. The order has been given. But the camp will take time. Ça prendra du temps. Tu devrais passer ton tour. Ravage. Et... Pas du tout, je suis sur la map par rapport à O1. But what of our supplies? We keep them safe. Build a storehouse. Orson, are you listening? Là, pareil, il me laisse pas le choix. Ok, c'est pas.
dernier. The storehouse is ready. The supplies are safe. Ok, bien sûr, ça n'a rien de nouveau. Yuri, ready your warriors. Our sons and daughters cry out and flee in terror. The spilling of their blood. Kislev's prince. D'accord. Tout comme là, il est en déplacement rapide. On sent y mettre plein de trucs automatiques. Alors, ah, il parle. We found them traveling the hidden trails to avoid open ground. Some had left Irvingard. They said the stronghold had fallen, that its commander, the boyar Slavin Kearns, had abandoned his post. Yet others fled from a smaller fort they called the Beacon. They spoke of a tribal chief who thirsted for bloodshed. Skolden, the wolf of Dervingard. Mais je peux faire les deux, je peux sauver les innocents et punir le loup, non? We fight at the beacon. Save who we can. We are on the edge of chaos. Follow Orson's trail. Notre armure, ah oui. Auxiliaire, c'est nouveau ça. On connaît pas le truc des quoi les auxiliaires. Allez au nord, par là le nord. Hein. Lève là le phare. I see the beacon. The fort is under attack. The enemy carry the flag of the wolf. It must be Skolden. Attaquez Skolden. Ils sont plus forts que nous là. Et plus la barre, elle est plus rouge que verte. Passez quelqu'un, faites un clic droit. Oui, bon, c'est juste ça, ok. Battle draws near. Our soldiers are ready. Pas grand monde, hein. We see the enemy. The wolf leads an army of Northmen. We're eager to fight. Bring us to battle. On va se faire défoncer, hein. Si on n'a pas de renfort, on est défoncé, là. J'ai quoi, ouais, juste des gardes, ouais, ok, il y a moi et deux régiments de gardes. Oh, il a des canons à crâne, il y a des géants, ok, des trolls de glace. Bon, bah... J'aimerais bien le concept de la, du prologue, en fait, tu fais le personnage nul à chier qui se fait botter le cul. Juste pour t'apprendre les mécanismes à la dure, comme un Dark Soul. Skolden's Northmen assault the barricades. Their backs are to us. We should take advantage. Moi, je fais le prologue, c'est juste pour découvrir les nouveautés, quoi. Pour l'instant, pas grand-chose, hein. The journey has been long. But we are ready. Fellow Ungols, we are of Kislev. Show these cowardly dogs what that means. They hunger for blood. Ils veulent du sang. Ils vont en avoir le nôtre. Steel. The beacon is under attack. See for yourself. Du coup, attendez, on est... le combat n'a pas commencé là. Ok,
ça se déplace lentement la souris sur celui-là, je trouve. Rien que ça, quoi. So, the wolf reveals himself. Cannons fire upon the defenders. When the barrage is over, his warriors will attack. Act swiftly. Yuri, the defenders need our help. Ouais, ça. We must reach them. What's that? There, in the trees. An army. Those are Kislev colors. They're allies. Ils se bousculent entre les deux régiments là. We must advance and combine our strength. Select your own unit in order to rejoin your forces. Yuri Barkov. Now issue a move order towards your troops. The soldiers are assembled and await your arrival. Come, Angos! Allez, plus vite. Your place is amongst the warriors. Your presence grants them courage before the enemy. Zone de stimulation. Comment? Hein? Bah ouais, enfin je suis au-dessus, mais je vois sa zone de stimulation, elle est où en fait? Ils me disent un truc, mais dès le début ça marche pas. C'est conceptuel. Il y avait déjà un truc dans le 1 comme ça, où... mais il n'y a rien en fait. Je peux mettre pause? C'est quoi la pause? Il n'y a pas de pause, oh putain. Mais je voudrais voir ce que vous m'avez dit en fait. Tu vois un truc... Ah putain, oui d'accord, et dans la neige on voit rien en fait, d'accord. Order your units forward. Our allies have not gone far. Par contre, la souris, elle va deux à l'heure, c'est un enfer. Faut pas changer la vitesse là, parce que... C'est où? Où est-ce que ça pourrait être? Non. Ah, peut-être là. Vitesse déplacement. Et... C'est le déplacement de la sous de la caméra. A voir si je fais ça. Ah, c'est mieux déjà. Take this time to practice maneuvering. Remember, orders are issued only to selected units. Bon. Quel défilement. Ah ça. Hop. Voilà. Et bien comme ça. Maintenez la barre d'espace pour voir la destination. Les unités. Déplacement. Ok. Vraiment. Vitesse de l'unité. Quoi, vitesse de l'unité. Non, je veux pas les faire courir. La vitesse de la bataille que je voudrais changer. Skolden's army. His forces scatter. The allies are threatened from the rear. Up close, their bows are no match for swords and spears. They're under attack. We must hurry to their aid. Je vais à deux à l'heure. Hein. Bon, ils veulent que j'aille là. On va aller là précisément. Ah ben. Vitesse du temps là. Bataille. Placement de sort. Comment on accélère le temps là?
Dites-moi qu'il y a une accélération du temps quelque part, comme dans le... Comme dans le 1. Et si je dois à chaque fois attendre 3 plombes qui se déplacent, ça va vite me faire chier, et si je peux pas mettre pause, je vais juste arrêter le jeu. Non mais y a pas là... Ouais mais normalement ils mettent déjà dans les touches. Ils mettent plein de trucs que je peux pas faire encore. Envelop the enemy as best you can. They have their backs to us. A fatal mistake. Non, pas toi. Toi t'attaques là. Toi t'attaques là. Et là aussi. Attaque cela, toi attaque cela. The enemy raised the white flag. Their troops flee. Ouais, on est les meilleurs. Ils échappent pour continuer, mais il dit plus rien. Bah, alors échappe, hein. The wolf's main pack advance on the beacon. The cannons rain death. They must be destroyed. The allies join our forces. We'll need the reach of their bows. En retrait de l'action, forcément. Bien... Advance on those hellish cannons. They must fall silent if we are to save the beacon. Moving. Kistler's frame superiority is assured. The cannons are defended. Order the infantry to form a line, facing the enemy. Have your archers remain behind the line, to protect them. Mais sauf que tu oublies de me dire comment faire des lignes, connard. C'est intelligent ça. Ouais, dis-leur de faire des lignes. Ok, du coup comment je fais? Keep the enemy in front of you. Do not let yourself become surrounded. Ah, ça fait ce clic droit. Ça fait rien du tout, hein, clic droit. Après, je reste sur clic droit. Pour gagner l'information, en fait, j'ai pas le droit de le faire. Ouais, mais non, il veut pas. Il me présente quelque chose que je ne peux pas faire, en fait. Ça a l'air d'être là, organiser l'information, hein, mais. Clic droit ne fait rien, mec. Hein, je vois, qu'est-ce que je peux... Là, je suis clic droit. Ça fait rien. Quoi? C'est unique, quoi. Oh, putain, c'est n'importe quoi. Ouais. Super le tuto, hein. Attack, comrades!
Larson's call! Larson's fury! Gossars! The cannons are destroyed, yet Skolden's army still attacks the beacon. They're vulnerable from behind. Strike now, while they're engaged. Taking position! March for his left! Oui, je sais, je me suis expliqué d'un coup, mais après, c'est... quand on fait ça, je trouve qu'elle s'organise n'importe comment, donc... Je sais ça, hop, voilà, là je sais. Ça, je le sais dans le premier, c'est juste que quand c'est comme ça, après, sur les déplacements, je trouve à fond n'importe quoi. Il était déjà à portée, lui. C'est essentiel, mais à ce moment-là, je trouve qu'elle se déplace toujours en rang et ça fait chier à chaque fois. Enfin, c'est pas qu'elle se déplace en rang, c'est qu'après, elles vont se situer les unes à côté des autres. Je veux qu'ils aillent tous au même endroit, sauf qu'eux, ils veulent pas. Let your kinsmen hear you roar! Fill them with Ursun's courage! Ursun's fury! Your war cry inspires your soldiers. See how their spirit is renewed. Bah quand je veux qu'ils aillent tous au même endroit pour taper les mêmes et qu'ils se foutent en ligne, non, j'aime pas. The enemy are dead or scattered. They flee the field. We are the bear's wrath. But Skolden. Je vais faire une attaque groupée, ils sont là à se faire des formations, ce qui fait que t'en as un qui arrive avant l'autre, et ils sont en 1v1 plutôt que d'être en 3v1, ça moi ça me fait chier. Ah, parce que dans le 1, en tout cas, ça passait pas comme ça. Hein. Look to me for leadership. I will need them, for the wolf still lurks in the shadows. We hold captives. Their fate is mine to decide. I pray for Ursun's guidance. Décider l'histoire des prisonniers, souvent rançonné. Ah ouais. C'est pas comme l'autre. Avec les nains, moi c'était libéré ou exécuté. Hein. Ouais, hop. Ça fera moins d'attente, hein, ça n'est que le tuto. The innocent are spared from the wolf's vicious pack.
The beacon is under our control. A sanctuary in the cold, harsh wastes. But this is not Dervingard. Kislev's northern stronghold awaits. A great victory, brother. The survivors swear allegiance. They will aid our search for Ursan. Those with the heart to fight, let them join us. Another outpost is close. J'ai vachement le choix. Ah, c'est qu'il faut que je prenne trois fois le même. The army grows. New soldiers eager to fight. They will see battle soon enough. The spirit of men is frail, so easily corrupted. The northern tribes worship the dark gods. The chief of the Garhas scolded. Okay. Yuri, should we stay here and let the soldiers rest? No. Bah si. Si si, c'est bien de se reposer, mec. Regarde, ils sont blessés, tes hommes. 7 tours pour qu'ils aillent mieux. Ah non, 3. Yes. Move north. Find. Ouais, on n'est pas supposé se reposer, hein. Delay. Send us to battle. Ouais, bon, ça va, allez, on va au nord. We've marched as far as we can, Yuri. The soldiers need rest. Maintenant, tu veux qu'on se repose, mec. The wolf charges towards us. Quick, brother. Make ready for attack. Our only option is to fight. Qu'est-ce qu'ils ont là? Entrée à grande arche, entrée à javelot, donc ouais, là, c'est projectile du coup. Cavalerie dans ce projectile, ouais, il y a pas mal de trucs à projectile. The wolf is cunning. He waited, knowing we would come this way. Now he means to face us in open battle with renewed strength. We deploy on the high ground and make him come to us. Du coup, je me demande comment fonctionne le multi, parce que c'est du tour par tour. Donc déjà, quand il y en a un qui joue, l'autre il attend. Ça peut être long, hein, quand tu organises tout ton truc. Mais même pendant qu'il y en a un qui fait une bataille, l'autre il fait quoi? Il attend? Il fait rien? Yuri, we must fight this cur. The way we deploy our army is often key to victory. Position them over here. Take heed of the surroundings, brother. The battlefield is a weapon we can use against the foe. The enemy gave battle, so our warriors can hide behind hills and amongst the trees. See for yourself how the troops are concealed.
Even brave Angles may waver out here in the Chaos Wastes. We must keep an eye on the morale of our warriors. And if it crumbles, so will our battle lines. Leave these trees, for they are exposed and the enemy will press us in great numbers. The high ground here will serve well as a defensive position. Ah, un colis monté en vrai, pas avec les... Mais si t'es à l'autre bout du monde, tu peux lui passer des gens de ton armée. C'est bizarre quand même comme truc. Arrange our forces at the base of the hill. Claim the slopes for ourselves. It will give us an advantage in the heat of battle. Ah. Si, remets-moi le truc parce que. Vous pouvez ranger les étés pour les combats à venir, pour la fin de l'un. Actionnez vos étés, faites un clic droit pour les. Oui, bon, d'accord, mais les archers. Je suis ici. Elle va les mettre pour rapidement en hauteur. Attends, je vais prendre tout le monde pour voir comment ils font. Ouf. Tu vois, c'est typiquement ça, le truc qui pour moi ne va pas quand tu sélectionnes tout le monde. Donc là, je sais bien que c'est que le... Quoi? Ah, j'ai des mis là, du coup je peux plus y déplacer maintenant. Ah, super! Tuto de merde. Quoi? Il y a un truc qui va. Oh, faites chier avec ça là. Quoi? Mais. Attends, mais ils ont lancé la bagarre? Non, mais vous foutez de ma gueule là, oh! Je peux pas le déplacer! C'est une blague! Bah quand le truc fait n'importe quoi, oui ça me casse les couilles. Je voulais absolument pas comme ça, avec mon mec qui est à 50 km d'eux. J'ai jamais dit comment que j'étais ok, et ils m'ont balancé. Casse les couilles là, commencez la bataille. Bah vous l'avez commencé sans moi, bande de couillons. N'importe quoi là. Non mais sur le... Je comprends que j'ai le temps, machin, mais c'est... Ça fait chier quand même, quand le truc il déconne comme ça. Ça m'emmerde, moi. J'ai fait ce que tu voulais que je teste pour voir si ça marchait comme tu disais. Non, ça marche comme dans le 1, c'est de la merde. Après, je peux plus y déplacer, j'actionne celui-là. Mais ah, regarde, il y a un message là-haut, tu dis, vas-y, dégage ton message. Ah bah c'est bon, tu peux plus te déplacer. Ah bah, comment c'est la bataille? Bah j'ai pas le choix. Maneuver and claim the high ground before they do. Vous allez là pour être en hauteur déjà. Moving. Taking point. Armored Cossars. Voilà, ils se déplacent soit en rangée comme ça. Alors moi je veux qu'ils aillent tous là. C'est ça le truc que je reproche à ce jeu. C'est que tu veux qu'ils aillent à un endroit et que les envoie. Lui il se retrouve à 20 km de là où je veux qu'il aille. Enemy reveal their mounted troops. They have the speed to run our forces down. Our spears are well suited to engage the enemy riders. Knowing how best to use our forces will bring victory. Oui, c'est ça. Qu'ils aillent tous sur la zone et après que je puisse les bouger un petit peu pour qu'ils soient pas non plus l'un sur les autres. Mais là, tu veux qu'ils aillent tous à un point et si t'as 5 unités, t'en as 2 qui sont distantes de 20 km, il leur faut 5 minutes pour se rejoindre. Glisser en ligne. Je comprends pas. Je comprends pas ce que tu veux me dire. Double clic pour déplacer. Double clic pour moi, c'est les faire courir, donc les épuiser. Mounted foes charge our position. Spears, engage!
quickly! Go with honor! Moving! Mais oui, c'est vrai qu'il court, hein. J'ai oublié qu'il se déplace lentement, moi. Je sais pas où ils vont. Si, non, vas-y, restez là parce que y en a qui arrivent par là. Ça fait chier de pas pouvoir faire pause par contre. Enemy riders approach. Tackle them head on with our spears. Employ our archers to strike at range. Don't let them charge our rear. Regarde cette ligne de merde qu'ils me font là, j'aurais jamais demandé ça. Mais ils branlent rien là. Qu'est-ce que vous foutez vous là? Vous observez? Vous êtes là? Vous êtes juste témoin, c'est ça? Ils sont en mode bat les couilles. Non mais ça vous truc, je veux bien, mais qu'il y a les premières lignes qui passent quelque chose quand même. Là ils ne font rien en fait. C'est des couilles là. Une ligne, non mais je peux pas faire pause pour organiser le truc en fait. Qu'est-ce que t'appelles faire une ligne? Je comprends pas. Des foules comme ça, mais ils sont en pleine bagarre en fait déjà. Et j'ai pas. Toi tu t'amuses à les réorganiser pendant des battles. Ils sont en train de se foutre sur la gueule et tu leur donnes des consignes. Mais genre eux, tu les là qui sont sur la bagarre, tu t'emmerdes pas à leur donner de dire vas-y fais-moi un joli carré quand même. Putain, j'ai pas vu que putain, cela il me tire dessus. Mais non, parce que je leur avais dit de venir ici, ils s'en foutent, hein. Dans le 1, moi, il tirait quand même, hein, les archers. Peu importe la position, il n'y avait pas de « on est là, on regarde les autres et on fout rien hein. ». Ouais, il y avait quand même un gros problème, les archers. Si on est derrière qui disent « ouais, je peux pas », d'accord. Mais si tu peux pas, tu te bouges le cul pour avoir un angle pour tirer. Ou au moins, ceux en première ligne, ils peuvent tirer. Et là, ils étaient tous là « oh non, j'ai pas envie ». Dans tout un régiment qui branle rien, qui ne fasse pas ça dans le vrai jeu.
Est-ce que je suis pas supposé avoir le temps de regarder chacune, est-ce qu'elle est bien active comme je lui ai demandé? C'est à fait ce que je lui dis, et puis, puis c'est marre normalement. I decide their fate. Worthless slaves. The cur runs, yelping for his dark gods. He fears your strength and returns to Dervingard. Non, mais que je dois tout faire en retard, je comprends. Juste, c'est pas ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est que à aucun moment, tu dois avoir un régiment où il n'y en a aucun qui branle rien. Et quant à tout le truc, je dois pas me poser la question. Attends, je leur ai donné cet ordre. Est-ce qu'ils le font ou est-ce qu'ils sont buggés? Je dois pas me poser la question. Est-ce qu'ils sont buggés? Celle-là, je l'avais pas oublié. C'est ça le truc. C'est que je l'avais pas oublié, ce régiment-là. Bah non. Non. Non, si. Il tire. Je leur ai dit tirer, il tire à un moment. Et tu respectes les ordres. Tu restes pas là planté comme un connard à rien foutre. Two victories, Yuri. The more we fight, the greater our skill. Yuri of the Ongols. Alors, maître d'épée. On s'en fout, ça a pas duré bien longtemps. Hein. Mais t'es supposé, quand tu leur dis de faire un truc, que ça fonctionne quand même. C'est... Si je m'épose, je suis supposé, si je m'épose, voir tout ce qui se passe en fait. Vérifier est-ce que chacun a bien une consigne. Là, faudrait que je lance le truc, je me pose, attends, je lance le temps pour vérifier, est-ce que celle-là fait ce que je lui dis ou est-ce qu'elle est en train de se branler les couilles? Bah non, 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 c'est... Un bon jeu, c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est ça, non mais... Espace, c'est la pause. Quoi ça? Résistance héroïque. Ouf. Oui, mais là, quand je mettais la souris dessus pour voir si t'es là, ça montrait bien la consigne comme quoi je leur avais dit de tirer, sauf qu'ils le faisaient pas. Donc, il y a la théorie et la pratique. Sauf que pour voir la pratique, t'es obligé de lancer le temps. J'espère que c'était juste ce combat-là qui est buggé, parce que ça va vraiment me faire chier. Si quand je dis aux gens de faire un truc, ils le font pas... Le temps est venu de marcher sur Dervingard et libérer notre kin. Ils peuvent pas tous être obstrués, t'as forcément des devants, donc si t'en as, dès qu'il y en a un qui est obstrué, tout le régiment, il est par solidarité, comme la SNCF, il branle rien, ça va pas. Urson guides me. Dervingard is close. Then give the order. We're ready to march. Alors, elles étaient l'une derrière l'autre, et t'as forcément une qui était devant, qui pouvait tirer au moins quelques-uns. Là, le concept, c'est, bah vas-y, il y en a un qui peut pas tirer, donc il n'y en a aucun qui tire. Bah, ça fait chier. Dans le 1, j'aimais bien parce qu'il n'y avait pas cette merde, en fait. S'ils me font chier avec ça, je vais jouer quoi, hein? Le truc, c'est que je sais pas si c'est chez moi, là. Il n'y a pas de truc qui permet de voir est-ce que je reste dans la zone, si c'est bon, c'est toujours chez moi. Du coup, je vais regagner ma santé en allant ici. Ah non, non, non. Je te jure que je peux voir mes deux régiments d'archers au même endroit, ils tiraient tous. Là, il y en a un qui marche sur les pieds de son collègue, il n'y en a aucun qui tire. C'est une grosse différence. Yes. There. I see it. Là, je gagne pas de points de vie. Loin. Dervingard. Mais ça m'a pas marqué la limitation, c'est chiant ça.
Bah, tant pis, on n'a pas tous nos PV, c'est pas grave. Hein. For Dervingard. Finally, we reach these walls. Do not celebrate yet, Garrick. First, we must deal with the wolf. Inspection du terrain. Dervingard was built to defy the dark powers and prevent another great war against chaos. But the stronghold has fallen into ruin, blackened by those that defile its halls. It has become the den of the wolf. Mais bah allez, 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 let's go. Prepare your forces carefully. You can give them precise orders to move into better positions. Parce que moi, dans l'un, typiquement, ce que je faisais, je mettais les archers devant et les unités derrière. Comme ça, les ennemis approchaient, ils se prenaient tout de suite des flèches. Et dès qu'ils approchaient un petit peu, je faisais que les régiments passaient à travers les archers pour les accueillir et les cogner. Les archers, à aucun moment, ils arrêtaient de tirer, hein, quand même, il y a des régiments qui passaient à travers. Que là, en fait, faut faire le contraire. Avant, c'est chiant parce qu'ils m'ont mis cela ici, donc... Si, si, tirez. Oh non, il marche sur les pieds de son voisin. Je ne peux pas attaquer. Regarde, là, pareil, il y en a un qui est sur l'autre. Ils vont se gêner. Ils vont pas pouvoir attaquer. Bon, faut que je décale tout cela s'ils sont bien d'accord. Ces unités et où est-ce que je trouve un bouton pour dire que c'est ok. Ah, ils veulent absolument que je fasse un truc. Dessiner les zones comme sexualité en faisant clic gauche. Clic gauche. You will need to organize your army to succeed here. Ensure your forces are in formation before the battle. Mais comment j'obtiens ce que je veux en fait? On va faire des carrés. Ah bah oui, mais du coup c'est vrai qu'il vaut mieux les mettre en long. Oh putain. The Motherland's finest. Mais du coup, les archers, ceux qui sont à la quatrième rangée, avec leur logique, ils peuvent pas tirer, hein. Merde, hein. C'est cassé les couilles.
Dessiner une zone de section autour des unités. Oh, ce que tu veux que je fasse, c'est ça? Un groupe, oui. Ok, mais je veux pas créer un groupe. Et du coup, je peux pas l'enlever tout de suite. Okay. J'espère que c'est bien déverrouillé que... Enfin, si. Regrouper, non. Il est sélectionné. Ah, faut faire regrouper pour les dégrouper, en fait. Ok, c'est... il y a juste pas la traduction, ça va. Ça va. Limps into his lair. I will not give him a chance to lick his wounds. C'est quoi qui arrive en courant là? We take Dervingard back in Orson's name. Oh putain, voilà, typiquement ce que je déteste. Je disais, bah vas-y, allez tous là. Ouais, bah moi je vais à 50 km. Voilà. Bah j'ai fait clic, bah oui, j'ai fait clic pour qu'ils avancent, pas pour qu'ils se cassent les uns les... Attends, je leur dis, allez ici. Bah lui, il va où? Je n'en sais rien. Oui, bah je l'ai là, c'est bien là, hein. C'est quoi cette formation? C'est pas ce que je demande en fait. Maître Caisse Maraudeur, donc là faut envoyer les piquets contre lui. Du monde ici aussi, non? Quoi ça? Oui, c'est le même groupe qu'eux, en fait. Je sais pas. Quoi? Garde du... Pourquoi tu me parles? Il y a un tsar déjà dans le lot? Mais tu veux que je... Je sais même pas comment j'ai fait ça. Mais je comprends même pas où tu veux que je clique en fait. C'est lui que t'appelles garde du tsar. Tu veux que je clique où? Ici ou là déjà? Clique sur le dernier lancier. Cuny. Garde du tsar à droite. Les vignettes, ok, attends. Qu'est-ce que tu me dis? Clique sur ton point garde, maintiens shift. Ah, maintiens shift en plus, c'est des conneries encore. Quoi? Ben je... Ça change... Non, ça change pas ma vie, je vois pas l'intérêt en fait. Trace une ligne. Je comprends rien. Clique sur le premier garde du tsar, c'est ce que je fais. Je maintiens shift et clique, c'est ce que je fais. Je comprends pas du tout ce que tu veux me dire là. Essaye avec des mots français, Chrome. Essaye, tu peux y arriver. Parce que là, je me maintiens... Là, je suis maintenu. Puis sur Shift. Ça fait juste ça. Je la déplace. Ça fait rien. Et Shift ne change rien, d'ailleurs. Est-ce que l'ancien et après attend quoi? Quoi? Bah, je peux attendre ce que tu veux, en fait. Mais ça va pas m'avancer.
C'est ça, ok. Voilà, je sexifie mes unités. Et donc... Il faut que je trace une ligne ici, c'est ça? Non, rien à voir. Une ligne d'infanterie, mais c'est quoi? C'est avec le... Ah, d'accord, c'est bien, c'est qu'on voit vachement à cette distance. Quel enfer. Je sais même pas ce qu'ils font, là, je... Voilà. Faut ça quand même plus simple, unité par unité, hein. Bah, elle tente bien. Le truc, c'est que du coup, je ne sais pas qui est qui, là. Parce que moi, le but, c'est maintenant, c'est que les lanciers aillent accueillir ceux-là, donc... Bah, c'est horrible, unité par unité, oui. Au moins, ils font ce que je leur dis. Parce que là, moi, non, je trouve ça plus pratique... Limite deux unités comme ça. Hop. On voit un groupe ici. Un groupe là. Mais je sais pas trop. Mes archers, ils sont partis n'importe où. Par là-dessus. Hein. Bah, c'est une énorme perte de temps, c'est ce que j'ai fait sur le 1 et ça m'évitait d'avoir à galérer pendant 10 minutes. Non, attends, la ligne c'est pas comme ça que je veux pas qu'ils partent à 50 km les uns des autres, machin, au moins chacune elle va où elle veut. Hein. Enfin, là où je demande plutôt, pas là où elle veut. Bon, finalement, ils sont tous ici, il y en a aucun. Si, ben moi tout le temps la pose. Hein. Alors c'est quoi? Des maîtres équestres. Ok, ça encore des mecs à chevaux. Donc là on m'envoie des vagues de mecs à cheval. Ok. Est-ce qu'ils tirent mes archers là? Oui, ils tirent au moins. Ils bougent eux? Oui. Partir, mais il est bloqué lui. Ah, il veut m'en aller. Il est trop vieux pour ses conneries.
Bah vas-y. Pas d'ennemis qui arrivent là, c'est bon. C'est à moi de mener l'attaque maintenant. Alors ici, ok, on peut rentrer par là. On a des gens. Faire le tour. J'ai le choix de l'approche. On va passer au milieu. Par contre, ces unités-là, du coup, comment je peux savoir... Infanterie à la hache. Comment je peux savoir qu'est-ce qu'elles craignent? Il y a un système pour ça? Non, pas savoir. Ah oui, c'est vrai que je fais A et E, mais... Il y a ça aussi. Non, il n'y a pas moyen de se connaître ses faiblesses. Jusqu'à savoir que l'infanterie, bon bah, c'est les archers qui ont un avantage, mais ceux-là, est-ce que il y en a entre ceux-là et ceux-là, il y en a qui ont un avantage ou un inconvénient contre eux. C'est quoi déjà, attendez. C'est quoi déjà, il y a plus la touche pour comme sur le 1 pour voir un peu les capacités de chacune. Alors, c'est parce que c'est le tuto. Okay, autant les lanciers du coup, c'est bien contre la cavalerie. Mais ça, c'est... Est-ce que c'est un four, là, quelque part, ou est-ce que c'est juste I? Ah, voilà, c'est I. Bah, c'était pas du tout I sur l'autre. Non. Non, c'est pas dit, du coup. Là, ça nous dit juste un peu... défense, ouais, donc en fait, c'est ça. Là, il y avait défense contre les charges d'unités larges, ok. À gauche du Yuri, là. Ah oui, ok. Ouais, donc ça, il y a ceux-là. Elles ont un bouclier, mais elles n'ont pas un avantage ou un inconvénient contre certains. Non, non, mais non, je veux pas faire ça. Je veux juste, en fait, ne rien avoir, en fait. Désélectionner. Comment je fais pour désélectionner un truc? Juste arrêter de me sélectionner une équipe. Merci. Du coup, ouais, il n'y a pas de truc affiché, masqué les détails. Non, ils ont rien de particulier. Ici, on a quoi? Bon, j'ai pas de charge d'unité large. Quoi c'est? Qu'est-ce que vous êtes, vous? Combattant mêlée descend. Faible contre les armures, très rapide. Attaquer, ok, bon, bah lui c'est le vilain. Ici c'est encore des javelots combattant en mêlée de descend. On est tué. Bon, on va foncer dans le tas. Donc là ça vaut le coup de séparer mes unités. En deux. Donc, vas-y, vous êtes les plus proches là. On va faire ça.